Good morning, bonjour. Very happy to be here today. Um, yesterday was the International Day of the Worker, and so it's appropriate that we are here today to talk about pension protection for workers. I'm pleased to be with uh, the member for Manicouagin, uh, Marilyn Gill, and to talk about the fact that over the last 10 years, there have been multiple efforts to bring forward uh, private members' bills to address this issue. We know seniors that have worked their whole lives only to find that when the company goes bankrupt, they're left with nothing or pennies on the dollar of their pension. So, my bill, C228, does three things. First of all, it requires an annual report on the solvency of a fund to be tabled in the House of Commons. This way, we'll have greater transparency and be able to ensure that actions are being taken on those funds that are not solvent. Secondly, there's a mechanism created to transfer funds into a, a pension fund that's not solvent to make it solvent. And finally, in the event that a uh, business does go bankrupt, there is a priority given to pensions ahead of large creditors and executive bonuses. And so, my hope is that with all parties having an interest in this, uh, we'll be able to come to an agreement and uh, fix this problem once and for all. Alors, Marilyn, est-ce que vous voulez uh, dire quelques mots? Yes, oui. Bonjour. Pour ma part aussi, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec ma collègue de Sarnia-Hampton, Marilyn Gladu, pour, pour appuyer. Euh, pour appuyer son projet de loi C228 et en même temps appuyer euh, parce qu'elle l'a mentionné plus tôt, il y a beaucoup de projets de loi présentement. Il y en a trois à la Chambre des communes. Il y a également une pétition qui circule euh, des quatre euh, des partis que sont le Parti libéral, le, le Parti conservateur, le Bloc québécois et le NPD. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté euh, d'apporter euh, des changements à la loi sur euh, la loi sur euh, le, les faillites et également euh, sur euh, sur euh, les arrangements avec les créanciers des compagnies. Pardonnez-moi. Donc, euh, évidemment, j'ai travaillé là-dessus depuis 2015 et si vous savez également, à la Chambre des communes, la façon dont ça fonctionne pour euh, qu'un député puisse pré présenter son projet de loi euh, privé, c'est une loterie. Hein? On est 338, on est pigé et euh, selon que le, 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 le hasard fasse notre bonheur ou non, mais on peut débattre de notre projet ou non. Et je trouve important de, de faire euh, de façon euh, transparente un point de presse. Évidemment, tous les partis ont été invités pour justement euh, appuyer l'idée même derrière l'ensemble de ces projets de loi pétition parce qu'il y a une volonté de la Chambre des communes de finalement s'entendre sur une façon de protéger les fonds de retraite des travailleurs. Alors euh, voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui euh, je viens soutenir euh, ma collègue pour qu'on puisse, avec l'ensemble de la Chambre des communes, arriver peut-être très rapidement à une entente quant à la protection des fonds de, de pension des travailleurs. Merci. Et je céderai par la suite la parole à M. Dominique Lemieux, euh, des United Steel Workers. M. Lemieux. Merci, Mme Gill. Bien, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on vit un moment historique. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de la nécessité de protéger les travailleurs, les travailleuses, mais surtout des retraités aussi lors d'une faillite. Euh, ce sont plusieurs centaines de familles qui ont souffert depuis euh, si longtemps euh, de leur employeur euh, qui a fait faillite. Je suis moi-même un, un, un ex-salarié de la compagnie Stelco qui, à l'époque, s'était placé sous la protection euh, des créanciers. J'ai une pensée aussi plus particulière pour nos retraités de Cliff, qui, en 2017, ont fait plus de 30 heures d'autobus entre cette île et Ottawa pour venir plaider cette cause-là euh, euh, au Parlement. Euh, leur cause à eux, je les salue, je suis bien fier euh, d'eux. Euh, après ça les métallos on en a fait une priorité on a plusieurs dizaines de militants et militantes qui ont rencontré euh, plus de 250 sénateurs et députés tous partis euh, confondus euh, donc aujourd'hui aussi je pense à eux j'aimerais saluer aussi euh, la députée de Manicouagan Marilyn Gill qui a présenté plusieurs projets de loi euh, par le passé euh, son ancien confrère du NPD, Scott Duval, aussi, dans la région d'Hamilton, euh, qui avait amené des projets de loi comme ça, mais aussi, surtout, à la députée conservatrice Marilyn euh, Gladu, euh, qui a eu courage, quand même, de déposer un, un projet de loi comme ça. Euh, à plusieurs reprises, malheureusement, ces euh, projets de loi-là sont morts au feuilleton avec des élections, puis par moments, je peux vous dire qu'on a presque perdu espoir. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça nous réconcilie vraiment euh, avec la politique. Enfin, on voit des partis politiques mettre de côté leurs divergences euh, pour protéger les travailleurs, et les travailleuses, puis protéger les, les, les retraités. On a vu des retraités de cliff devant des choix impossibles à prendre, soit manger, ou soit payer leurs médicaments après qu'ils ont vu leur pension euh, coupée. Ça ne doit plus arriver. Euh, les retraites, c'est de l'argent que les gens ont gagné pendant toute leur vie euh, de travailleurs. Puis quand il y a une faillite, ça n'a pas de sens que nos retraités se retrouvent devant des miettes euh, qui sont payées, euh, entre autres, après les taxes municipales ou les taxes scolaires. Ce projet de loi-là vient euh, vraiment colmater euh, ces brèches-là. Euh, puis tout ça, il faut le dire aussi, euh, à cause de la négligence des entreprises qui n'ont pas bien capitalisé leurs retraites. Donc, pour nous, un projet de loi comme ça, qui est unanime, c'est enfin la lumière euh, au bout du tunnel. Merci. Je tiens à remercier personnellement l'ouverture de tous les partis politiques dans ce projet de loi-là. Ça nous montre aussi que, comme citoyens et comme organisation syndicale, quand on met des efforts pour se faire entendre à ceux qui nous représentent à Ottawa, n'importe quel parti confondu, euh, ça finit par donner des résultats. Euh, c'est pas tout. Il reste la phase ultime, reste l'adoption du projet de loi, on a bien hâte de voir cette belle unanimité-là euh, lors d'un vote euh, en Chambre. Donc, euh, merci beaucoup euh, à tous les partis. Merci. Merci. Je vais, euh, je vais demander à Mme Gladue euh, pour des problèmes techniques. Il y avait Michael Powell qui devait avec, être avec nous de la Canadian Alliance of Retired Persons, mais euh, je serai euh, ma collègue de Samuel Hampton. Mme Gladue, euh, conclure. Merci. Merci beaucoup. Uh, yes as, as Marilyn has said you know every uh, party in the house has brought forward a bill uh, for my bill I took the good ideas out of all of the other bills including hers and put them together in one in the hopes that now we can have the conversation there's an e-petition that Ryan Turnbull from the liberals has put out a uh, number 3893 on this very topic and uh, Daniel blakey as well uh, has got uh, a private member's bill and so our hope is that we can get to committee we can amend the bill agree on what we can agree on and fix this problem once and for all. Thank you so much. Are there any questions? Mm. Oui, bonjour. Mylène Crête de La Presse. Euh, ben, ma, la première question, c'est où, où est euh, le député Daniel bleki du NPD? Pourquoi n'est-il pas à votre point de presse? Je ne sais pas. J'ai envoyé euh, une invitation pour les deux, mais euh, alors, je ne sais pas. Um, et je voulais savoir une question pour Mme Guil. Vous dites que vous appuyez le projet de loi de Mme Gladu. Or, il y a quand même deux, euh, une différence majeure là, en ce qui a trait à la, la question d'assurance collective dans les deux projets de loi. Donc, êtes-vous prête à abandonner la disposition dans votre projet de loi qui euh, donnerait une compensation pour l'assurance collective? En fait, euh, l'appui, euh, si j'y allais de façon peut-être plus précise, même si ça devient général, c'est que j'appuie euh, la conversation, justement, qu'on peut avoir en comité. Donc, d'envoyer un projet de loi euh, en comité pour qu'on puisse en discuter. Et évidemment, que ce soit euh, le Bloc ou que ce soit le NPD ou bon, tous les partis pourront euh, s'entendre sur un consensus. Bien entendu, pour moi, les assurances euh, collectives sont importantes. C'est pas quelque chose que je souhaite abandonner. Mais je pense qu'on devrait déjà s'engager à ce qu'il y ait cette conversation euh, qui soit euh, Qui soit peut-être non partisane. Euh, en fait, c'est un peu l'idée de dire tout le monde s'entend pour qu'il y ait une solution. Euh, ensuite, ce sera le, le débat entre nous et on arrivera à une solution, mais on pourrait avoir une solution. On ne sait pas laquelle elle sera. Et il faut souvent faire des compromis, mais en même temps, on a une possibilité. Moi, je ne voudrais pas qu'on manque cette possibilité. Euh, Est-ce que je peux poser la question à M. Lemieux sur la question des assurances collectives? Est-ce que vous trouvez que ça devrait faire partie d'un projet de loi ou. ou... Ou on peut laisser tomber bien, mais, cet aspect-là pour régler le reste de la question? Bien, bien évidemment, la question des assurances collectives est importante pour nous, je vous le disais. Hein, plusieurs de nos retraités, euh, des conjoints survivants d'ailleurs, ont eu à faire des choix difficiles entre les médicaments ou de faire l'épicerie. Mais ce qu'il faut souligner aujourd'hui, selon moi, pas ce n'est pas nos, nos divergences, c'est vraiment le fait que les quatre partis politiques se mettent en accord euh, aujourd'hui pour aller de l'avant. Puis je reste convaincu justement que dans les prochaines étapes, les, les, les partis vont être capables de se parler, d'en arriver à, à, à une entente. Prochaine question dans la salle pour les journalistes qui se joignent à nous via Zoom. Utilisez la fonction Levez la main pour poser une question. Oui, bonjour, c'est Michel Sabat de la Presse canadienne. D'abord, Madame Gladius, si vous le voulez bien. Euh, écoutez, qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci sera la bonne? Euh, on l'a dit, ça fait plusieurs années que des projets de loi semblables sont présentés. Et est-ce que euh, le fait qu'il y ait une alliance entre les libéraux et le NPD pourrait vous aider dans la question de, du jeu et de gagner du temps, en fait? Oui, euh, dans les autres projets de loi, il y, a, il y avait toujours quelque chose euh, que tout le monde n'est pas d'accord avec. Alors, en 2018, euh, Erno Tour a porté un projet de loi et euh, il a voulu de changer le type de régime de retraite et tout le monde n'était pas d'accord là. Alors, euh, euh, il y avait le projet de loi de Marilyn et tout le monde était d'accord, mais au comité. Euh, 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 Malheureusement, les libéraux ont appelé à une élection et euh, euh, le projet de loi est décidé. Il y avait un autre de Scott Duval, euh, qui est le même que Daniel euh, Blakey a déposé à la Chambre. Et euh, ça, c'est euh, euh, avec aussi des, euh, euh, des assurances. De, euh, de les employés en addition de euh, euh, les euh, pensions. Alors euh, ça n'était pas d'accord dans la dernière session du Parlement. Alors j'ai choisi la retraite. Tout le monde peut. Euh, euh, être d'accord et uh, aussi le mécanisme pour transporter le, les fonds et uh, exactement que uh, mon collègue uh, a dit uh, pour uh, quand une entreprise fait faillite et um, il y a uh, quelques recommandations um, des banques qui s'inquiète qu'on euh, doit avoir un peu de temps de réparer les régimes qui ne sont pas solvables. Alors, on a dit euh, immédiatement, on doit avoir le rapport et aussi le mécanisme, mais on va prendre quelques années euh, de réparer les fonds euh, après euh, de mettre en place la priorité. Okay. Parlons-en des régimes qui ne sont pas solvables. Donc, euh, comment et par qui est-ce qu'ils seraient renfloués Est-ce que c'est à parts égales par les travailleurs et l'employeur C'est quoi Je connais mal votre projet de loi. Là. Euh, euh, non, maintenant, euh, on a dit que euh, quand le, les, euh, les régimes ne sont pas solvables, on ne sait pas vraiment. Maintenant, il y a un rapport chaque année. Euh, à le surintendant de finances. Alors, est-ce qu'il prend les actions? Je ne sais pas. Euh, il y a les exemples comme Air Canada où il, le fonds n'était pas solvable il y a quelques ans. Alors, euh, euh, si une entreprise a les fonds de transférer, euh, de réparer le fonds, ça c'est bon. Mais euh, dans la priorité, c'est après les salariales et les, les impôts euh, et les, euh, les choses de euh, les vendeurs. Euh, je pense qu'il euh, y a un peu de priorité là. Mais euh, euh, avant ça, c'est les pensions et puis euh, les. Euh, Uh, crédite uh, les, les grandes entreprises et uh, les autres choses après ça. Et nous n'avons pas de questions en ligne. Ceci m'est fait à la conférence de presse. Oh! Ah, Il y a une autre question dans la salle. Madame Gladue, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Monsieur Sabat sur l'alliance entre le NPD et les libéraux. Est-ce que ça peut vous aider ou vous nuire pour euh, régler la question des fonds de pension Oui. Euh, dans la première heure de deuxième lecture, euh, Ryan Turnbull a donné un discours. Il a une, une éputation et il a indiqué que oui, il va soutenir le projet de loi. Il, il, il est d'accord avec l'idée. Euh, et Daniel Blakey a indiqué il y a quelque chose qu'il veut changer. Um, il y a um, uh, quelques sections 8.1 et 8.2 qui sont uh, <laughs> um, laissées en place par le graphière en erreur. Alors, on doit éliminer uh, ces phrases uh, au comité quand on fait uh, les amendes. Il préfère aussi d'avoir uh, uh, le pouvoir pour le surintendant de prendre des actions. On va avoir cette discussion. Et euh, je pense qu'il y avait une autre chose euh, avec euh, plus des autres assurances et euh, bénéfices. Um, Ryan Durnbull, par exemple, c'est un député libéral sur oui. l'ensemble du caucus. Ce n'est pas l'entièreté du caucus. libéral. Non, oui. Mais j'ai parlé à beaucoup des libéraux et tout le monde... Euh, euh, comprend bien que ça c'est un enjeu on a essayé de réparer cet enjeu il y a dix ans alors ça c'est le temps de euh, avoir les conversations au comité de faire les amendements et euh, d'être ac en, en accord merci beaucoup